Et puis je refais mes ins en même temps. Parce que j'ai quand même allaité 8 mioches, quoi. On va en Tunisie bientôt tous les deux. Certains ont perdu la garde de leur enfant pour moins que ça. Elle n'a pas pensé une seconde à ses enfants en se mettant au porno après une émission TF1. Donc Amandine Pélissard, elle se lance vraiment dans le porno. Mais les enfants, ils le font carrément dans le salon, le même canapé où les petits s'assoient. Franchement, c'est vraiment irrespectueux pour leurs enfants et surtout pour son ado. Toutes ces photos circulent sur Google. Tu tapes vidéo porno Pélissard et tu trouves direct. Sympa pour les gosses, il y a rien de privé, et sur le canapé où les enfants s'assoient. Le couple Pélissard est une honte. S'ils veulent faire du porno, 1. Il fallait le cacher des enfants, 2. Tourner leur scène ailleurs qu'à la maison, 3. Ne pas faire le buzz. Bref, c'est un couple de cassos criminels envers leurs enfants. Le couple Pélissard n'aura plus qu'à payer une psychothérapie pour leurs 8 enfants. Feu, c'est de pire en pire. Hein, nos dents, en fait, c'est comme les gens, c'est comme les haters. En fait, on va les appeler des haters, nos dents. Nos dents, c'est des haters, c'est des fatigués. Donc, on va... peur du dentiste, tu vois, aussi. C'est pour ça que... Bah, là, de toute façon, je lui dis qu'il t'endorme. Hein. Donc, on va en Tunisie et que j'habite bientôt, là. Je vais refaire ses dents, moi, les miennes, et puis je refais mes ins en même temps. Parce que j'ai quand même allaité 8 mioches, quoi. Alors, moi, je suis d'accord, oui, elle est petite, mais les petits, la plus grande, elle a 10 ans. Donc, je pense que déjà, elle n'a pas à savoir ça. Et quand il sera temps qu'elle le sache, et ben, elle le saura. Et mes parents leur expliqueront. On leur expliquera. On l'a expliqué à moi. Voilà. Et voilà.